Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens juste de recevoir un colis que j'attendais depuis quelques jours. Je vous montre ça. Tadam! Ouais, comme ça, vous la voyez bien. Ma machine, dans le fond, c'est comme une machine à pâte, là. C'est ça, c'est une presse pour l'argile de polymère. Donc, je ne l'ai pas du tout ouvert encore. Là. Elle est encore dans la boîte. Elle est flambant neuve. Donc, j'ai un beau petit feuillet là, avec. Et puis, comme vous pouvez voir, la machine est encore dans la boîte. Donc, je vais la sortir. En essayant de rien briser. Bon! Donc, le petit feuillet, OK, ça me dit comment ça fonctionne, et puis, OK, je commence à faire un petit sapin de Noël, ça va être correct. Oh, d'accord, je peux la fixer, puis la faire tenir là, sur la table, ça c'est intéressant, pour pas que ça bouge. Ça, c'est ma super poignée pour faire tourner. Voici la bête. C'est ça. Donc, je présume que ça rentre ici là-dedans. Et oui. Okay, je vais devoir la surélever parce que la poignée est trop longue. Bon, je vais devoir la mettre sur quelque chose. Parfait. Ben, dans le fond, je vais devoir la mettre comme sur le côté de la table. Bon, merveilleux. Ensuite, l'épaisseur. OK, j'ai une roulette sur le côté. C'est moi qui gauge l'épaisseur que je veux que ça aille. Là, elle est au plus petit. Donc, comment est-ce qu'on ajuste ça? OK, je tire dessus et je tourne. OK, à 1. Bon, donc je peux, j'ajuste l'épaisseur, là. Dans le fond, la roulette qu'il y a ici sur le côté, je tire dessus. Je tire dessus et puis je le mets là, vis-à-vis le chiffre que je veux. J'ai de 1 à 9. 9 étant là, le plus mince là, possible. Là. C'est vraiment, vraiment mince là, ici où est-ce que ça passe. Donc, moi, je vais y aller, là. L'épaisseur du 1, je vous dirais, là, que... Ouais, c'est un petit peu trop gros. À 3, je trouve ça quand même bien. Ça me fait une bonne épaisseur. Je sais pas si vous arrivez à bien voir, là. À 3, là, ça me fait une bonne épaisseur. Bon, merveilleux! Hey, hein? C'est tout nouveau. J'ai même pas écouté de vidéo, savoir comment ça marche, rien. J'en ai vraiment aucune idée. Bon, ce que je vais faire, je vais l'installer par contre sur le côté. Parce que la poignée, c'est ça, lorsque je la tourne, là, la poignée va plus bas. Là, comme vous pouvez voir, là, la poignée accote ici là, sur la table. Donc, j'ai pas le choix de laisser dépasser ma poignée. Donc, je vais mettre ça sur le côté de la table. Parfait. Donc, c'est juste dommage que vous ne la verrez pas en vidéo, là, mais... Ah, moins que je m'organise. Un instant, je change mon setup, je vous reviens. Bon, comme ça, vous voyez quand même bien ce que je vais faire, là, et puis si je m'installe sur la table à côté, là, si j'ai besoin de couper, ça va être parfait. Donc, j'ai mes stylets. Aujourd'hui, je fais... De la pâte, je fais pas la pâte primo, là, je vais essayer de finir ma Sierra Q. Je veux vraiment tout là, la passer. Je vais vraiment, là, je teste n'importe quoi avec la machine. Je vais faire des tests avec vous. On risque de rire. Je sais même pas si je vais mettre la vidéo en ligne. Si je la mets en ligne, c'est qu'au final, c'est pas si pire. Sinon, ça va juste être des fichiers supprimés et puis personne ne saura jamais que j'aurai tourné cette vidéo. Aujourd'hui, je veux faire un message spécial pour Claire. Je veux remercier Claire. C'est grâce à Claire que je fais des stylets.
Claire m'a envoyé des stylets depuis la France, donc je veux te dire merci énormément. Il y avait plein d'embouts là, de toutes formes. C'est moi qui les ai enlevés, là, mais c'est ça, là, c'est fou. Là, j'en avais vraiment beaucoup. Là. Donc, là, c'est d'enlever mes petits bouts. Aujourd'hui, je vais faire seulement 6 stylets parce que je peux en faire seulement 6 à la fois. Et puis, bon, c'est ça. La dernière fois, là, j'en avais quand même fait 12. J'en avais fait beaucoup. Là, aujourd'hui, je veux aller avancer mes toiles de Diamond Painting tantôt. Donc, c'est pour ça, aujourd'hui, je me suis dit, bon, je me limite à seulement 6 stylets. Donc, je vais sortir mes couleurs là, d'argile. Merveilleux. Donc, dans cette boîte-là, il me reste ces couleurs-là ici. Bon. J'ai le goût d'aller essayer. Je vais essayer voir ma super machine. Là. Hein? J'ai jamais testé ça. On va voir qu'est-ce que ça fait. D'accord. Ok, c'est vraiment pas large mon histoire. C'est quand même assez mince. Donc, vous voyez, là, ça me fait une belle slice. C'est quand même mince un peu. Donc, je vais y aller là. Au numéro 1. Numéro 1, je pense que ça va être le bon. Je vais essayer de l'élargir. Bon, là, je suis allée. Il y a un super poil à cachou. Naturellement, hein, comme d'habitude. Là, je vais essayer de le mettre un petit peu plus large. Oh oui, merveilleux. Donc là, j'ai la bonne épaisseur. Donc moi, je vais travailler à 1. Parfait, ça. Donc je voulais vraiment faire un test. Maintenant, j'ai envie de mélanger des couleurs. De faire comme un peu un dégradé. Bon, je vais me servir de ça ici pour les sortir. Donc, je vais y aller avec mauve, rose, blanc et encore mauve. Je sais pas si je mets ça direct de même, qu'est-ce que ça va faire. Elle est trop dure, d'après moi. Je sais pas. J'ai le goût de l'essayer. Je ferais peut-être mieux de faire... essayer de la travailler un peu avant. Là. Déjà là, c'est un petit peu épais. Bon, ouais, ça la fait ramollir un petit peu. Là. Ouais, c'est un peu moins pire et moins raide comme ça. Bon. Je vais retravailler un peu la blanche parce qu'on voit encore un peu la ligne. Ça être sûr qu'elle est quand même molle un peu pour que ça soit trop raide pour ma pauvre machine. Hein? Elle est neuve, là. Faut pas que je la brise. Ça serait bien mon genre en plus. Bon. Donc, j'essaie ça. Écoutez, je vous l'ai dit, hein, j'ai pas suivi de tutoriel. J'ai rien regardé sur Internet. Je fais du gros n'importe quoi. Est-ce que ça va marcher? Oups. J'ai comme l'impression que la pâte est peut-être un peu trop... Non, c'est raide. Ça marche, mais pas tant. À couper du vidéo. Hein? ça fonctionne, là, mais... Écoutez... Aïe, aïe, aïe. C'est... Ça marche.
Ça fonctionne. Hey, il y a juste plein de trous dans ma pâte fimo, là, mais c'est pas grave. Ça marche pareil. Regardez ça. Ça a fonctionné. Bon, là, il y a une petite cochonnerie là, qu'il devait avoir sur. Bon, c'est quand même drôle que j'en échappe ma poignée, mais bon, des choses qui arrivent. Hein. Je vais essayer de la replacer un peu. On va essayer de la repasser. Le plus dur, hein, c'est le premier coup. Après ça, on va se placer, ça devrait bien aller. Essayer de la coller un peu parce qu'elle a fait des trous. Bon. Et qu'elle est collante la pâte. Comme je vous l'ai dit, hein. J'ai jamais vraiment travaillé ça. C'est un nouveau jouet que je me suis procuré. Écoutez, c'est moins pire, c'est moins pire. Ok, j'avais peur qu'il reste quelque chose de pogné dedans, mais non. Hey, on s'en vient dans quelque chose de pas pire, là. Hey, écoutez-moi ça, regardez-moi ça. Ouais. On va avoir quelque chose de pas pire. Je vais réessayer même de la plier une deuxième fois, tiens, pourquoi pas. Ok, on essaye ça. Je vous dis, je fais des tests. C'est raide là. Oh my God. D'accord. Donc, vous voyez là, ça commence à plus se mélanger là. Commence à plus l'avoir. Moi, là, ça va être à force de la passer. Okay. Je vais essayer. Okay. Ça coûte pas trop mon affaire. Hey, hein? On va venir à bout de quelque chose avec ça. Suis quand même pas si pire, hein, pour première fois sans rien regarder. C'est là que je suis en train de me dire, ouais, j'aurais peut-être bien dû regarder une couple de vidéos avant. Mais bon, c'est pas grave. On va la voir, on va la voir. Les coins là, bas. Bon, on va essayer un peu de une belle ballon de terre. Bon. Ça ici. Ok. Bon, je me resserre. Peu plus de la. Peut-être la compacter. Ça va peut-être aller un peu mieux. Bon. Let's go. C'est parti. Oh, ça commence à faire quelque chose de bien, là. Les couleurs commencent à plus se fondre. Je vais continuer. Il faut croire que je suis sur la bonne voie. Hein? Si ça commence à se mélanger, c'est que ça doit être comme ça que ça marche. Là, je vous fais une vidéo. Ce n'est pas un tutoriel. Je m'amuse. Je fais n'importe quoi. Lorsque je serai meilleure, je vous ferai un tutoriel. Et là, pour tout de suite, là, bon. On va aller se coller la vlimeuse.
malgré qu'elle est pas mal collée à la bonne place. Hein? Bon. J'essaye un petit peu comme de plus la compacter. Voyons voir, voyons voir. Qu'est-ce que ça va faire? Là, je vais mettre ma main pour la récupérer hein, parce que je ne veux pas qu'elle aille se coller. Bon, ça va mal ça. Il faudrait vraiment que je le fasse tenir sur la table, mais je ne sais pas, mon rebord de table est mal fait. Je ne sais pas si ça va être assez large ici. Ish. Je vais peut-être venir à bout de quelque chose. Je ne suis pas certaine que ça va tenir quand même. Que ça va tenir fort fort, là. Je vais l'essayer. Ça vite, ça. Bon. Voyons voir si tout va tomber par terre. Non, ça semble tenir. Mais écoutez, ça tient sur à peu près ça. Comme je vous disais, le côté de ma table, c'est vraiment pas winner. Mais ça fait vraiment beau pour vrai. Wow, je suis vraiment en train de l'avoir. Là. Juste des petits défauts. Hein, mais ça, par après, c'est minime. Hein. On s'entend que c'est quelque chose qui s'arrange facilement. Ça, on taponne un peu, là, puis on voit presque plus rien. Wouhou! Donc, j'ai bien l'impression que c'est à force de le passer à l'intérieur que c'est ça. Ça finit par bien se mélanger. Donc là, j'ai quand même quelque chose d'assez mince. J'ai envie de me tenter à découper un stylet là-dedans parce que je trouve ça vraiment beau comme accès. Ouais, même que c'est ça. L'autre côté était plus joli. Bon. Premier essai. C'est quand même assez droit, fait que je vais me partir ici. Bon. Bon, ça va être assez ça. Ensuite, même chose pour l'autre mauve au bout. J'aurais envie de prendre ma lame d'exacto, mais je vais m'abstenir. Bon, j'y vais direct avec le rebord ici. Voilà. Comme ça, je m'en viens couper bien vis-à-vis. Bon! Donc là, je vais l'installer sur mon petit tapis. Pour enlever là, la jonction. Merveilleux, on ne la voit plus. Je vais venir couper mon rebord. Nettoyer l'intérieur également, bien important de rien laisser parce que vous allez avoir de la misère après à rentrer là, les petits embouts. Donc ici, je vais venir le couper. Bien important encore, je viens nettoyer l'intérieur. Ensuite, c'est d'aller le façonner là, un peu de votre mieux.
les deux côtés. Moi, ensuite, là, je m'accote les deux doigts comme ça. Et puis, je viens essayer de façonner un peu là, mon côté en le roulant. Et puis, à la toute fin, je viens entrer là, mon pic à brochette à l'intérieur. Et puis, en mettant mes doigts comme ça, là, je viens exercer une légère pression dessus. Question d'enlever là, toutes les petites imperfections. Juste pour dire que j'accote mes doigts sur le côté, que ça fasse là, le plus droit possible. Donc là, si je tourne et je regarde, oh non, il y a un poil à cachot. Bon. Oh, je l'ai eu! Bordel, hey, c'est tellement dur à enlever là. Oh! Bon. Il rentre un petit peu de pâte à modeler, ben, d'argile, j'appelle ça ma pâte à modeler, en dessous de mon doigt. Donc, tadam! Voilà le résultat pour le premier. J'aurais pu continuer à la passer encore dans la machine, ça aurait sûrement fait encore plus de dégradés. Mais bon, j'aimais bien qu'est-ce que ça donnait pour le moment, donc en voilà un. Ensuite, j'ai envie là, de le réessayer. Écoutez, hein? Mon petit rouleau est ici. Parce que je vais venir essayer là, de le compacter un petit peu. Puis, je vais régaliser ça. Bon. Ça a collé sur mon super tapis. Finalement, il va vraiment falloir que je me trouve une tuile ou quelque chose comme ça parce que c'est sûr, ça va pas super bien là, pour le moment. Bon. Donc là, c'est quand même assez large mon histoire. Est-ce que ça va rentrer? J'essaye de le compacter un petit peu plus. Donc, j'essaie vraiment là, de réduire en compactant de haut en bas et de gauche à droite un peu en même temps pour pas que ça crée trop de ballons d'air non plus. Donc, je pense que ça m'a fait une quand même pas pire galette. Je vais repasser ça dans ça ici, dans ma super machine. Bon, elle est bien à côté. Voilà. Donc, vous pouvez voir, là, le dégradé est super bien fait. Je vais donc m'installer. Puis, je vais faire un autre crayon dans ça aussi, parce que je trouve ça vraiment joli. Ensuite, là, je vais essayer autre chose. Je vais en avoir fait deux assez semblables. Ça, j'enlève ça ici pour venir vraiment là sur le rebord du crayon. Youhou. Ensuite, je vais venir couper ici. Je vais vraiment me trouver une tuile avec ma lame d'exacto, ça va tellement aller mieux là, parce que c'est ça. Là, présentement, c'est pas super. Je m'étais dit, je vais essayer le petit tapis de tapisserie. Ça a l'air à quand même être pas pire. Mais bon, non, ça va vraiment pas bien. C'est peut-être mon argile aussi. Hein. Ça, ça se peut très, très, très bien. C'est peut-être la Sierra Q. Là. C'est pas la top qualité. J'ai acheté ça sur Amazon. J'ai très hâte de travailler avec la Fimo, mais avant, je veux vraiment finir ma Sierra Q. Parce qu'à l'avenir, ça va être que de la Fimo. Là. Il y a la Sculpté aussi que j'aimerais bien tester. J'ai vu, là, il y avait de la Fimo et la Sculpté. C'est ça. J'ai quand même hâte de faire le test des deux. Je vais voir lequel va être le meilleur. Le meilleur entre les deux.
parce que je me suis déjà promenée un petit peu, là, j'avais déjà passé une journée, j'avais regardé un petit peu des vidéos là-dessus, et puis sur la pâte fimo et tout, là. Et puis c'est ça, j'avais tombé là, sur quelques vidéos, avec il y en a plusieurs quand même qui utilisent la marque Sculpté. Donc ça a l'air quand même d'être les deux marques là, les plus populaires. Puis c'est ça, là, chez Homer de Serre, il y a les deux. Les deux sortes sont disponibles. Donc, les deux, c'est à peu près le même prix. Il n'y a vraiment pas une grosse différence de prix. La quantité et tout, là, ça se ressemble vraiment beaucoup avec la Fimo. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même, ça doit être deux compétiteurs assez directs. Bon. J'exerce une petite pression, mes doigts à côté sur le côté. Bien façonner le côté, merveilleux. C'est tellement le fun parce que c'est déjà droit. Sans bulle d'air et c'est ça, j'adore ça. Petite machine, là. Je regrette pas d'avoir acheté ça. Donc, l'autre crayon. Le deuxième. Bon, maintenant. Bon. Je mélange le tout. Je fais une grosse boulette. Voyons voir. Je pense que c'est ça le truc. Faut pas que je le mette trop en boulette de même, justement. Je crois là, que c'est peut-être ça, mon erreur. J'essaie de l'aplatir un peu. Ok, je vais m'essayer. Voyons voir ce que ça va donner. Les couleurs sont toutes mêlées. Ça me fait une belle nuance de mauve. Parfait. Oh, j'aime ça. Qu'est-ce que ça donne? Je vais essayer de l'élargir encore un peu. Est-ce que j'ai la même largeur qu'un stylet? Je trouve ça vraiment joli. Oui. Ok. Merveilleux. Donc, je le starte ici, mon stylet. J'aime ce que ça a donné. Vraiment, là. Comme ça. Et puis, ici, au bout. Coller ça sur le stylet. Vraiment comme il faut pour pas qu'il y ait de bulles d'air. J'exerce quand même une petite pression lorsque je roule. Je sais que je suis bien à côté. Comme ça, voilà. Donc, la jonction des deux ici, là. C'est en passant comme ça, avec plus là, la paume de la main, vraiment, là, qu'on réussit à l'effacer. Sinon, on voit à peine une petite ligne. Parfait. Le bout de mon crayon est pas mal ici. Comme ça, et puis j'enlève l'excédent. Même chose ici. Ça, puis il n'y a rien comme excédent. Merveilleux. Maintenant, je vais venir essayer de façonner un petit peu là, mes côtés.
j'y vais en roulant. Ce que j'ai trouvé, moi, qui va le mieux, c'est vraiment comme ça avec ma baguette à la toute fin. Je viens accoter vraiment mes doigts sur le côté, là. Je fais une petite pression seulement et puis je le tourne un petit peu comme ça. Donc, je le sens frotter chaque côté sur mon doigt. Puis, en le faisant plusieurs fois, là, ça le façonne un peu. Même chose, là, exercer une petite pression sur la baguette vers, là, la table, là, où est-ce que vous êtes installé, là. Comme ça, là, ça vient enlever toutes les petites imperfections. Mes bouts ici, là, les extrémités sont beaucoup, beaucoup plus droites qu'avant. Donc, ça va beaucoup, beaucoup mieux, là. Ça fait un résultat final, là. Donc, regardez ça, j'aimais ça, là, la wave avec le blanc, là. Je trouvais ça cute. Donc, parfait. Bon, là, maintenant. Oh, Bella arrive. Je vais laisser le mauve un peu de côté. J'ai ça ici, là, qui est un restant que j'ai bien envie d'essayer. Je ne sais pas si j'en ai assez. J'aurais ça. Puis on pourrait mélanger avec ça. Faites quelque chose de bien. Je vous le dis, là, hein, je fais à peu près n'importe quoi. Donc, je vais essayer là, de... Bon. Essayez un petit peu de les joindre ensemble comme ça. Essayez de passer ça là-dedans, voir. Si ça fait joli, ça va vraiment faire comme un stylo moitié-moitié. C'est vraiment cool. Oh, ouais, j'aime ça, les nuances que ça a. Waouh! Donc, je vais le replier encore, malgré que je vais le plier comme ça ici. Ah, j'ose même pas le replier, c'est tellement beau. Mais bon, ok, let's go, je l'essaye. C'est vraiment beau ce que ça donne. J'adore ça. Je pense que j'en aurais pas assez pour un stylet. C'est pas assez long. Non, c'est ça. D'accord. Okay. On va le repasser. Et puis, wouhou! Faut que je me méfie, il n'y a comme pas de lock là-dessus, c'est mal fait. Bon, je vais la mettre un petit peu plus mince. Essayer de l'aplatir encore un peu plus. Vas-y, toi. Dans le trou, ne colle pas sur la machine. C'est difficile, hein, parce que c'est ça, ça colle. Par exemple. Et qui en manque pas beaucoup, hein? Il en manque vraiment pas beaucoup. Ce que je vais essayer encore de la ratisser. Parfait. Ça va être assez mince, là, mais quand même, ça va être une bonne épaisseur là, pour passer. Pour le crayon, quand même, là. Il n'y en aura pas assez. Là. Il n'y aura pas de problème. Ha ha ha!
Regardez-moi ça. Et hein? Si c'est beau. Wow. J'adore, j'adore, j'adore. Je vais le repasser pour que ça se colle quand même bien. Ça. Parfait. Donc, une petite dernière fois. Je serais supposée en avoir assez là, pour un crayon. Pas tout à fait, hein? Il m'en manque vraiment pas beaucoup. Je vais mettre un petit peu plus serré. Est-ce que ça va m'en donner? Je vais le replier encore une fois. Je vais essayer. Parce que là, il a élargi beaucoup. Donc, je vais essayer de le recompacter un petit peu. C'est parti! Puis là, ça, je vais essayer de le mettre plus sur le bord. Puis en mettant mon doigt, voir, tiens, on va voir si ça. Ok. Alright. J'ai ce que je voulais. Bon, maintenant, je veux moitié-moitié. Je vais venir me mettre vraiment à cheval sur le centre ici. Je vais venir couper comme ça. Comme ça. Et puis, bon, OK. Donc, la moitié... à peu près ça. Que j'aurais pas besoin. Donc, allez toi le petit crayon, c'est pas le temps de niaiser. Bon, ok. Je suis sur le côté. Je colle bien comme il faut pour pas qu'il y ait de bulles d'air. C'est parti. Voilà. C'est fait. Donc, c'est à peu près moitié-moitié pour vrai. Parfait. Merveilleux. Ici. Je vais venir couper les bouts comme ça. Il n'y a rien à l'intérieur. Parfait. Ici. Comme ça. Il n'y a rien à l'intérieur non plus. Bon. C'est tellement mince que c'est vraiment facile à façonner. Et comme à l'habitude, j'accote mes deux index, légère pression ça et voilà le résultat. Donc j'ai vraiment là, mes deux couleurs dessus, j'adore ça. Ça fait différent de l'avoir comme dans un autre sens, là. Bon, donc, j'ai quatre crayons. Merveilleux. Maintenant. J'ai envie de tenter quelque chose. Hum.
pourrait mettre ça ici. Un peu de comme ça ici. Comme ça. Ces deux couleurs-là. Et puis, qu'est-ce que je pourrais bien venir mettre au bout? C'est pourquoi pas un peu de orange fluo. Ah non, je pourrais mettre un autre teint de vert. Oh oui, ça serait beau. Ok, je vais y aller avec du vert forêt, tiens. Donc, question de la ramollir un petit peu. Je vais faire une autre crotte. Donc, c'est parti. Je mets celle-là ici, comme ça, dans le milieu. Je vais y aller dans ce sens-là ici. Ah non, non, non! Je vais essayer l'autre sens. C'est ça, depuis tantôt, je fais un certain sens. Là, j'en avais rentré dedans. C'est pas grave. Attends. Je vais essayer de l'autre sens. Depuis tantôt, je le fais dans un sens. Là, j'essaye dans l'autre sens. Oh oui, c'est vrai, là. Je suis quand même très mince. Je vais me remettre à 1. Parfait. Youhou. Parce que là, ça s'en allait aplatir dans le pas mal mince. Bon. Je peux me permettre, j'en ai beaucoup. C'est que tantôt, j'en avais pas beaucoup. Donc, solution, on aplatit plus petit, plus mince. Ça m'en donne un peu plus. Voyons voir ce que ça fait dans ce sens-là. Hein? C'est pas pire. OK. Je suis en train de réfléchir. OK. Je vous répète, je fais n'importe quoi. J'y vais sur le coup du moment. Hein. Donc, je fais vraiment n'importe quoi. Vous pouvez l'essayer à la maison comme vous pouvez ne pas l'essayer aussi. C'est à vos risques et périls. Vous verrez la suite dans la vidéo. Même moi, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que ça va faire. Parce que je fais n'importe quoi. Bon, un petit peu comme ça. Comme ça. D'accord. Donc, j'essaie ça ici, là-dedans. Écoutez, ça donne quelque chose de quand même pas pire, hein? Regardez-moi ça. Je le réessaye. En deux comme ça. Mettant là. Je vais essayer de le mettre une petite affaire plus mince. Wow! Hey, j'aime ça. Qu'est-ce que ça donne? OK. Je vais essayer de le refaire encore une fois. Une crotte de brun dans le verre, c'est pas grave. Essayez aussi de le rapetisser un peu. De le compacter un petit peu plus. J'essaye ça dans ça. Wow! Hey, hein? Regardez-moi ça, si ça fait beau. Merveilleux. Donc, je fais
Mon prochain crayon dans ça, c'est sûr. Oh oui, et ici c'est beau. Ok, donc plus comme ça. D'accord. Donc, je vais venir en enlever ici. Ici, comme ça, à la limite du crayon. Et puis, ce côté-là, ici aussi, il y en a un petit peu à enlever. Juste le petit rebord, à peine pour dire, là. Bon, donc, je répète, hein, on vient bien coller l'argile comme il faut sur le crayon. Pour bien partir. Et suffit de tourner jusqu'à temps que ce soit à côté. Donc là, je suis à côté de l'autre côté. Je vais venir couper. Ça fait, ça fait un point à la cachou. Ça fait une jonction. Je tasse les trucs. Avec la paume de main, parce qu'avec les doigts, des fois, ça la rend, ça peut rendre le crayon moins égal. Il peut avoir des vallons dessus. Parce qu'avec la paume de main, ça fait pas ça. Donc, on vient couper les extrémités comme ça ici. Je vais chercher cet excédent. Merveilleux, je l'ai. Ensuite, je vais y aller direct avec mes baguettes. Voilà. Donc, c'est bien égal. Parfait! Écoutez-moi ça, regardez-moi ça, comment c'est beau! Waouh! J'adore! Donc, je vais aller mettre mes 6 crayons, là. Ah non, j'en ai juste 5! Excusez, je pensais que j'en avais 6. Qu'est-ce que c'est ça? J'en ai juste sorti 5. Ah ben! C'est pour ça, j'avais plus de crayons devant moi. Je me suis dit, j'ai tous mes crayons, mais non! Écoutez, c'est pas terminé! Il en reste un! Donc, on va venir jouer avec le vert, justement. Je ne sais pas si vous entendez le vent dehors, mais encore une journée qui vente. Ça fait plusieurs qu'on a là, d'affilée. Là. Ça commence à être un peu tanné. Bon, on passe ça dans Daris, la marque, donc dans ma petite Daris. Ça va être son nom, by the way. Ouais, elle va s'appeler Daris. Si je mets ça comme ça, malgré que j'adore qu'est-ce qu'il y a là. Ok, c'est beau. Il y a un dégradé ici dans le côté, là. Je le veux sur mon crayon. Oh non, j'en ai pas assez large. Oh non. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai pas le choix. Bon, ok, j'ai les couleurs que je voulais. Parfait. J'ai vraiment un super de beau dégradé de vert l'autre côté. À partir de là. Parfait.
soulever un peu. Bon, je viens le coller sur mon crayon. Parfait, je peux enlever ça. Je vais le coller à peu près. Je vais enlever les lignes. On la voit presque plus. Écoutez, vous allez voir, il est écœurant. Il est vraiment beau. Bon, ne me donne pas de la misère, toi, s'il te plaît. Parfait. Ma petite baguette. Oh, j'ai évité la catastrophe. Il y avait un poil. Écoutez, hein. Comme une petite ligne ici, je vais essayer en tapotant l'argile de la défaire. C'est peut-être moi aussi, j'ai une petite peau qui retrousse sur mon doigt. C'est peut-être juste de la façon que je. Okay. Je m'essaye autrement. Voilà. Regardez les nuances de vert, c'est vraiment de toute beauté. Waouh! J'adore! Donc là, c'est vrai, j'ai mes 6 crayons. Donc, je m'en vais mettre ça au four. On se retrouve dans 30 minutes. Donc, on se retrouve finalement dans mon bureau. Mes stylets sont sortis du four. En plus, le temps que mon four chauffe, j'ai pris des restants. J'en ai même fait 3 supplémentaires que je vais vous montrer dans la vidéo. J'ai pris une petite assiette d'aluminium, donc j'en ai fait 9. Et puis, le temps que ça dure dans le four, j'ai fait un test. Avec ma machine à pâte, là, j'ai essayé, là. Et puis, vous voyez, là, ce sont des spirales. OK, ma spirale n'est pas très, très grosse, là. Je vais en faire des plus belles. Je voulais seulement tester, là, qu'est-ce que ça aurait de l'air. Bon, j'ai-tu un petit défaut dessus? OK, non, j'avais l'impression que oui. Donc, c'est ça, là. Ça va être dans les prochaines vidéos que je vais vous faire, dans le fond. Je vais vous faire un tuto sur comment faire des stylets comme ça, là, avec des spirales. Donc, ça va être à venir. C'est pour ça, là, je me suis dit, je vais me pratiquer. Je vais être sûre, là, que ce soit bien fait, là, avant de vous le montrer, là, pour que ça fasse encore une vidéo drôle. Donc, c'est ça, à venir, là, je vais vous faire un tuto, là, sur comment faire des stylets, là, comme ça, là. Je voulais vraiment le tester, là, avec... ma presse argile, là, donc la marque Daris, D-A-R-I-C-E, sauf que moi, je vais l'appeler ma Doris. Donc, écoutez, c'était un test, là, un crash test, un peu, si on veut. Je savais pas trop si ça allait valoir la peine, si ça allait bien aller, ça allait être mieux une vraie machine à part, j'aurais-tu été mieux d'acheter ça, ou en tout cas, je vais essayer de penser de vous mettre le lien, là, sur Amazon, parce que je me suis procuré sur Amazon et ça coûte pas mal moins cher qu'une machine à pâte. Là, je les ai magasinées, les machines à pâte, ça fait un bout, je les regarde, là. Et puis j'ai payé quand même, là, quasiment à moitié prix d'une machine à pâte. Donc c'est très, très, très intéressant. Et puis ça va super bien. Puis moi, c'est ça, là, je m'en servirai pas pour des pâtes, donc ça sert un peu à rien.
quelqu'un qui va se faire des pâtes maison et tout, ok, ça peut servir à quelque chose d'acheter vraiment une machine à pâtes, là, mais dans mon cas, moi, c'est que pour l'argile, donc c'est parfait. Donc, je vous le recommande, ça va super bien. J'ai un peu rush au début, mais écoutez, nous, c'est ça. Prochaine fois, ça devrait aller mieux. Donc, je vais mettre ça de côté. Donc, prochaine vidéo, ça sera un tuto sur les stylets en spirale. Maintenant, ceux que j'ai fait avec vous tout à l'heure, on a là, les trois petits verres. Donc, on a bon, celui ici qui fait comme un peu moitié-moitié, là. Donc, ça fait vraiment cute en plus. On a celui-là ici qui a plusieurs nuances de vert dedans. Celui-là aussi qui est écœurant. Il est vraiment beau là, avec tout le vert qu'il y a. Merveilleux, ces trois-là. Et puis, on a les trois mauves. Donc, vous voyez là, ce que j'ai fait au début là, avec les dégradés de couleurs. Ça a quand même donné quelque chose de super bien. Les stylets sont beaucoup plus égaux, sont beaucoup plus droits. Aussitôt que je les ai montrés à mon copain, c'est ce qu'il m'a dit tout de suite. Il dit waouh, il dit là, il dit c'est vraiment égal, il dit c'est vraiment mieux là, comme ça que façonné à la main si on veut. Et puis on a le petit dernier ici là, que je trouvais vraiment cute là, de la façon que c'était fait ici au bout. Donc, on a ces 6-là que j'avais fait avec vous. Et puis, je me suis amusée pendant que, c'est ça, je faisais chauffer mon four avec un restant de vert et un restant de mauve que j'ai passé vite fait là, dans la machine, dans ma Doris. Donc, ça a donné, vous voyez, on a celui-là ici. J'ai celui-là ici aussi. Regardez-moi les nuances là, dans le mauve, comme c'est beau. Puis, j'en ai même un petit peu ici dans le bout, là. Donc, super beau. Et puis, j'ai celui-là aussi qui en a encore plus de mauve. Donc, je suis vraiment contente de qu'est-ce que ça a donné. Et puis, c'est grâce à toi, Claire. Donc, je veux te remercier énormément encore une fois pour ces beaux stylets. J'en ai encore d'autres, là. Donc, c'est sûr que je vais pouvoir en faire plein d'autres. Là, je veux faire un tuto sur comment faire là, avec les spirales. Et puis, je veux aussi là, pratiquer, là, je voudrais faire là, quelque chose style arc-en-ciel. Donc, ça va être des essais-erreurs un peu. Je vais me pratiquer, essayer de perfectionner ça. Je sais que ça me prend de la fimo jaune, rouge et bleu pour être capable de vraiment faire quelque chose de bien, là, un bel arc-en-ciel. Donc, ça va être à suivre pour ça. Là, je vais regarder dans les couleurs que j'ai achetées. Il me semble que j'ai les trois couleurs. Sinon, eh bien, une visite encore chez Homère de Serre s'impose. Oh non, c'est plate. Donc, je vais vous dire encore une fois, merci beaucoup d'écouter mes vidéos. Merci pour tous vos beaux commentaires. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, moi, sur ce, eh bien, je m'en vais avancer une toile de diamond painting. À cette heure que j'ai fait des beaux stylets, là. Et puis, j'en ai qui sèchent en arrière de moi, que j'ai vernis aussi entre-temps. D'autres que j'avais fait, là, dans une autre vidéo. J'ai simplement appliqué une couche de colle là, dessus, là, une couche de vernis. C'est pour cette raison-là que j'ai comme pas fait de vidéo, je voulais comme pas montrer. À la place, prochaine vidéo là, que je vous ferai un tuto de ça, eh bien, je vous montrerai les petits stylets que j'ai fait pour me pratiquer entre-temps. Écoutez, j'en ai fait, j'ai essayé de faire des bonhommes sourires. Je sais même pas si je dois vous montrer ça en vidéo pour vrai. Écoutez, je vais les sortir, je vais les mettre à vendre, mais je pense dans le temps de l'Halloween. Ah, je suis quasiment gênée de vous montrer ça. Mon copain serait genre, ok, montre pas ça à personne. Écoutez, je dois vraiment perfectionner, je vous avertis, ok? Je dois perfectionner ma technique. J'avais vraiment essayé ça, j'avais pas de machine à pâte, j'avais pas rien un après-midi que j'avais du lousse. Puis je me suis dit, ok, j'essaye des bonhommes sourires. Regardez-moi ça. On dirait des bonhommes d'Halloween qui font peur. Donc, vous voyez bien comme ça. Regardez-moi ça. C'est vraiment... c'est ça. C'est quelque chose. Donc, après ce résultat-là, je me suis dit, « Ouh, OK, en plus, on les voit mal un peu. » Donc, j'ai essayé d'ajouter du rouge, plus de rouge autour de mes bonhommes. Voici ce que ça a donné. Encore là, je vous dirais, on dirait des bonhommes d'Halloween. Pour vrai, là, regardez-moi les sourires tout croches. C'est ça, on dirait un peu des... Ouais.
Donc, ça va être à perfectionner. Lorsque je vais avoir la twist, que ça va bien aller. Là, je présume qu'avec ma machine à pâte, ça va aller mieux parce qu'à la main, gager les épaisseurs et tout le rouleau, là. C'est pour ça aussi que ça a donné ça. Donc, ça, on s'entend que ça ne se retrouvera pas sur ma page Facebook à vendre, là, en tout cas. À moins que vous les vouliez, là. Peut-être dans le temps de l'Halloween, on verra, là. J'essaierai peut-être quelque chose, mais pour l'instant, je trouve ça bien drôle, puis je les mets de côté. C'est une gaffe, mais regarde, faut que j'essaye. Et puis, il me restait des petits slices de bonhomme sourire, puis j'avais du vert, donc j'avais décidé de faire ça ici, camoufler les trous avec du vert. Donc, regardez-moi l'horreur, comment c'est affreux. C'est ça, regardez, les bonhommes sont weird, là, c'est quelque chose. Donc, c'est pas grave, je les garde quand même dans mon étui de crayon fini parce que je les trouve vraiment drôles. Ça me rappelle à quel point faut que j'améliore cette technique-là puis que je sois capable d'en faire, là. C'est ça. Mais sinon, côté Halloween, ben, j'ai peut-être le tour. À suivre. Donc, sur ce, écoutez, moi, je vous laisse et puis je m'en vais faire un petit peu de diamond painting. Donc, on se dit à demain, tout le monde, dans une autre vidéo. Bye!